1, 2, 3, 4. La fête du Lac des Nations célébrera la musique country cet été à Sherbrooke. Les chapeaux de cowboy seront à l'honneur le mercredi 17 juillet avec nul autre que Paul Daresch. Ça fait des années que les gens de Sherbrooke nous demandent « Faites donc une soirée country ou faites donc de la musique country. » Donc, ça devrait être une soirée exceptionnelle. On est tombé sur l'artiste country le plus à la mode au Québec depuis déjà 6 mois, 1 an. Pas parce que sa carrière vient de commencer, là, mais sa carrière est rendue à un niveau extraordinaire. On va l'avoir à la fête du Lac. Tant qu'à faire de quoi, on va le faire comme du monde. Le groupe Madame Moustache ouvrira la soirée avec son tout nouveau spectacle à saveur country rock. Partout où est-ce qu'on a passé depuis 7 ans, les gens sont super réceptifs à la musique country. Ils ont tous une racine en quelque part, soit que les parents ont écouté ou un oncle ou qui écoutent eux-mêmes de la musique country. Donc c'est très rassembleur. La fête du Lac des Nations a également développé un partenariat avec le Festival Western de Saint-Tite et fera tirer des billets pour le rodéo parmi ceux qui se seront procurés un passeport spécial. Donc on invite tous les gens, premièrement, arborer le chapeau de cowboy, c'est très important. C'est que l'on met 500 billets, 500 passeports spécial country en vente demain. Et ça coûte 50 $, ça donne accès aux 6 soirs de l'événement. Les gens qui auront ces passeports-là, quand ils arriveront à la fête du Lac des Nations ce soir-là, vont se faire remettre un chapeau identifié au Festival Western de Saint-Tite ainsi qu'à Monsonex. Ils seront numérotés, ces chapeaux-là. C'est avec ça qu'on va faire tirer 20 paires de billets pour aller au rodéo à Saint-Tite. Les organisateurs ont également confirmé que l'auteur-compositeur-interprète Sean Phillips, qui a connu beaucoup de succès dans les années 60 et 70, sera également de la fête. Cette année, on a encore d'autres affaires à annoncer. Je pense que les gens vont vraiment aimer la programmation. Il y a encore beaucoup de belles choses à annoncer. Et oui, on se réinvente. Il y a encore d'autres trucs qui changent sur le terrain qu'on va pouvoir vous faire part le 28 mai.